Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de vous faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Mais nous pas perdre du temps, nous commencer. Cool, yeah. Des dispositions qui pourront poser plusieurs milliers de carottes pendant la campagne hiver après travail. Nettoyage à Kiraï sur environ 40 km de canal dans la vallée de la Tibonite. Si organise développement de la Tibonite, Olivier Han, qui a réalisé le travail ça, sous instruction du président de la République, la Jovenel Moïse. Plusieurs habitants qui ont bénéficié du travail ça, exprimé satisfaction et puis encouragé l'initiative là. Grâce à ce fait là, son gros progrès qui fait là. Parce que nous comptons pile avec Dunia parce que parfois nous avons dit que l'eau a gonflé, il n'y a pas qu'à monter, il n'y a pas qu'à monter, nous dit qu'il a gâté. Mais pour nous, nous sentons que nous avons des signes. C'est un bel travail qui est fait sur ferme ou bien périmètre à Thierry-Volester. Et ça, l'a regardé là, c'est un périmètre qui gagne 208 carreaux de terre qui a curé là, je dis à la. Dès ça, son bien, nous sommes capables de dire qu'il fait depuis Souprival. Bien ça a fait. Mais je dis à la. Et nous avons dû commencer à l'heure, parce qu'à partir du mois de novembre, nous avons commencé à faire semence. Responsable infrastructure dans ODVA, l'ingénieur Lorgel Jean-Charles, fait quand même matériel à utiliser et de nettoyer bien et puis qui est canal là. Ça augmente la quantité de l'eau qui est proposée plus tête. Réseau d'irrigation dans l'ensemble est composé de un barrage, barrage canot et puis le canal mètre gauche, canal mètre droite. Canal mètre droite arrive à un certain niveau. À partir de Préval, nous voyons un batado pour continuer en canal Coussin. Donc là côté nous avons ce canal Coussin, c'est le prolongement du canal Maître droite qui en fait, si vous passez dans ce zone-là, on va voir qui est abandonné pendant quelques temps, qui n'a pas travaillé parce que de l'eau n'a pas de jambes arrivé là-dedans. Donc nous prenons l'initiative pour nous curer le canal, ça, c'est ça nous voulons curer une mécanique qui a fait au moins des pelles mécaniques. Et nous commençons à partir de l'aval vers l'amont, à un certain niveau, qui permet que qu'on y a gardé l'eau qui commence à couler pour nous aussi revaloriser la superficie que le canal ça a dominé. Canal Adrien, c'est deux potomitants dans le système d'irrigation, nous avons cité le directeur organisme de développement de la vallée de la Tibonite, l'agronome Justin Jean, qui félicite le président de la République là, qui baille le matériel à gaz pour accompagner l'agriculteur dans la vallée. Ça va faciliter l'augmentation de la production d'irrigation pendant la campagne hiver. Début septembre, le président de la République là, excellent Jovenel Moïse, a fait une grosse visite au niveau de la vallée de la Tibonite. Et nous visitons ça, d'après la vision qu'il a eu, et un paquet d'actions qui étaient déjà définies pour nous faire au niveau de Valéa. Dans ce sens, nous avons recevoir des carburants qui permettent de commencer à faire un ensemble d'activités au niveau de Valéa, surtout des activités de travaux et d'infrastructures agricoles. Et travaux, ça a fait dans le cadre de période sèche, dans le cadre de campagne hiver qui sont censées commencer, nous avons dit qu'ils ont déjà commencé. Et c'est dans le cadre de ça que nous faisons tous les travaux au niveau de Valéa. Nous sommes capables de remarquer au niveau des canaux Coussin, sur un canal, on va pas dire qui prend naissance, c'est canal Maître droite, qui sortit depuis le barrage Cano, mais qui a osé un paquet de terre au niveau de Préval, dans la zone Sao, et canal ça a les mêmes jours en bas dans la zone Fabias. Mais au niveau des canaux ça a tout, lui permet moi aussi un paquet de terre au niveau de Ponsondé, des terres au niveau de toute zone Sao, qui permet quand même de oser. C'est des travaux qui est même important pour nous au niveau de l'ODVA, organise le développement Vallée la Tibonite, mais qui est important, très important pour le gouvernement, d'après vision du président de la République, là, pour que mettez manger dans le bol, mettez manger dans l'assiette, mettez comme dans le pochot.
tout travail soit fait dans ce sens-là, qui va permettre qu'ils plantent eux-mêmes, ils travaillent plus jardin, ils travaillent plus terre, ils font plus manger au niveau des jardins. Travaux de travail à Kirage Canal, à Gris, ça y a fait dans plusieurs communes de la Vallée, tant que Saint-Marc, Tirigueux, la Tibonie, Plistère, des dunes et des salines. Construction un nouveau commissariat de police dans la première section Tirigueux, la Tibonie, dans l'idée pour bataille contre la sécurité dans la région. Une initiative habitant ou applaudi. Au nom de la communauté, nous souhaitons que bienvenue avec une grosse initiative que l'État haïtien prend dans la communauté qui permet que nous-mêmes nous commençons à pouvoir vivre, nous retourner la caille. Nous avons une sécurité dans tout le pays. Et c'est toute raison ça qui fait que nous battons bravo pour l'initiative là. Et puis nous avons remercié ODV à tout le monde qui accompagne le projet avec nous. Je félicite le directeur Jocelyn, parce que c'est lui-même qui toujours, parce que même toujours, hein, c'est lui-même qui toujours vient accompagner nous ici, hein, pour que nous puissions bénéficier de commissariat là. Avec commissariat ça, tout. Si toutefois que nous mettez des policiers là-dedans au service de la communauté, moi je pense que c'est bien. C'est un de développement de la Tironie qui a exécuté le projet ça, directeur ODVA, Jocelyn Jean, faut qu'on ait. En 3 mois de travail construction commissariat, ça a été fini. Depuis notre visite là, le président a annoncé construction commissariat et on a remarqué que la construction a marché très bien. On a dit nous 3 mois pour nous faire pour nous vraiment pour le commissariat a fini construit. Mais j'ai la marché, on a respecté quand même la deadline là, on a respecté quand même la durée qu'il y a là. Mais la construction commissariat ça a fait, si le commissariat a fait dans une zone nous sommes consolés et construction commissariat ça a parlé quand même on souffre à question de sécurité au niveau des zones. Parce que par exemple, il y a force spécialisée qui va être dans le commissariat ça. Et force ça va faire une patrouille au niveau des zones. Il y a patrouille loin de Tafou Pay tout. Et zone Tirivière, et zone Liancou, et zone Ferrette, les patrouilles loin qui va permettre commissariat ça, policiers par le commissariat ça, par le support par l'autre commissariat. Et pour apporter des supports de sécurité au niveau de toute Valéa, qui va permettre de vraiment améliorer les questions de sécurité au niveau de Valéa, qui va permettre tout, tout le monde commence à prendre confiance, tout le plan commence à prendre confiance, et l'autre monde qui était dans le business, qui était quitté zone, qui était quitté Valéa, commence à retourner pour venir dans le business. Dans ce sens-là, c'est un gros support que le président de la République, le gouvernement, Jout Moïse, le ministère de la Culture, ODVA, c'est un gros support qui a apporté. Pour que la sécurité a retourné tout bon, la école au niveau de Valéa la Tibonie. Plusieurs dizaines d'habitants qui étaient courus, qui étaient zone première section de la Tibonie pour insécurité. En pile là-dedans, on a commencé à retourner en cause d'un point fixe PNH à mettre dans l'espace côté à construire le commissariat. Pour moi, pour bouger par la route. Pour la Du gouvernement. Du président Maloumé, en passant par le ministre, et puis, le maître de la CFN, on doit devenir la police la tombe, on doit devenir la police à faire la vie, parce que la police est capable. Et on dit ça, la police capable de faire la vie, depuis la police du vrai, qu'on a là, ça fait l'école. La fête, que là, nous devons tout idée sur nous pour faire la police à travail. Parce que là, on est capable. Moi, on est là, il y a, nous n'avons quelques hommes. Mais nous, toutes les zones que nous avons faites là, on connaît, ça empêchait la présence des autorités dans les zones à eux pour empêcher des gars de faire kidnapping, par exemple. Là, on a eu un malaya seulement des policiers, par exemple, du BO. Le côté de ce qui là, qui nous a amené, par exemple, nous avons amené, nous avons amené du BO. Mais même, ça veut dire ça. Du web, policier. Ça fait l'autre travail. La même chose, ma parole. Tout le monde s'en va sortir. Si rien n'a pas sorti, la vie de la même C'est ça me dégage.
c'est dans les organes que les policiers ont interpellé Ilio Berjasmin, alias Ediron, et de Pouchon Joseph. Monsieur Sayo, il était à bord d'un Toyota Land Cruiser couleur blanche, immatriculé LR00064, et Monsieur Sayo, il était en possession d'un pistolet de calibre 9 mm. Pour moi, soit mon dressier, mon premier Alex, qui est un agent 2 de la 22e promotion de la police nationale d'Haïti, qui est affecté dans ses boules, et Dieu Boulé Issa, qui est un agent 1 de la 24e promotion de la police, qui est affecté dans le boulot. Et la police a interpellé mon dressier, M. Sayo était à bord. Le Toyota RAV4 est de couleur verte, immatriculé BB78920. C'est 4 personnes qui ont arrêté, 2 policiers, 2 civils, 5 armes à feu saisies, et parmi 5 armes à feu, 2 fusils de guerre et 3 pistolets. 2 véhicules, nous sommes parlé de Yolaïo, l'homme croiseur avec le Toyota RAV4 l'a confisqué, et 83,97 kg de cocaïne saisi par les forces de l'ordre. Dernier, mon premier Alex, qui est un agent de 22e promotion, qui est affecté dans ses billes. Dans ses billes, il y a une unité composée de motards spécialisés qui est toujours là pour assurer une route, pour modérer la circulation, pour aider le cortège, tout directeur généraux et cabralibé qui soutient dans le point A pour aller dans le point B. Donc ce n'est pas jeudi à l'unité ça là, et ce n'est pas pour le directeur général qui l'unité ça à bail service. Donc tout le directeur généraux qui passait déjà eux, l'unité ça toujours là à bail service. Cependant, tout le monde qui connaît la question de sécurité bien, connaît que l'Ontario qui a fait route pour cortège VIP et parmi les pouvoirs avec agent sécurité VIP. Les seulement là, essentiellement pour faciliter la circulation dans la zone côté VIP à le passé, les seulement là pour côté des trafics pour permettre cortège VIP à passer avec beaucoup plus de rapidité et sans façon que vous ne parlez pas dans l'activité que vous allez, mais ça n'a pas gagné absolument rien pour eux avec unité qui est l'agent de sécurité directeur général là ou bien n'importe quel club via. C'était normal pour nous donner une bonne liberté, non? C'était normal pour nous donner une indépendance, c'est-à-dire mettre nous au dehors, mettre tout Mamazan et la colonialiste, esclavagiste de l'eau. Mais nous mettons un projet. Faut avoir un projet national. Donc nous mal démarré, on a fini deux ans, à peine deux ans, 8 mois, et puis nous devons de Salim. La mort de Salim marqué la grande de l'île qui fait le pays à chavirer, à filer des scènes pendant 2 siècles, mais seul bagarre en coin. Nous sommes capables de passer mon grand monde en pile. L'âge, ce n'est pas l'âge pour moi dire avec certitude que je prends. Parce que ça, c'est un bail qui a pris 8, 10, 15, 20 ans. Même pas quoi il a dépassé 20 ans, non. Nous, il veut faire des bandades là. Des bandades, il a fait des bandades que pendant 2 siècles là, c'est ou bien Haïti revivre, ou bien mourir. Mon bien, c'est d'abord tristesse et regret. Face à l'impuissance personnellement, à l'impuissance monde de bien, parce que monde de bien, pour ne pas comprendre que tout haïtien c'est volé, tout haïtien c'est menteur, tout haïtien c'est magouilleur, tout haïtien c'est mazanza. Faut ne pas développer l'esprit négatif ça. Nous avons haïtien la carrière de valeur, mais impuissant. Mais puissant, parce que pendant 2 siècles, la majorité de monde qui dirige le pays a porté responsabilité, ça a passé là. Donc, intérêt
haïtien yo yo pa ka ni nan Trump ni nan Joe Biden. Pour dire ça parce que c'est Trump qui retourne au pouvoir, que c'est Biden qui prend le pouvoir, et tous les deux nous savons de quoi cause une politique étrangère qui favorable uniquement aux intérêts américains. Seulement, comme si on république, si c'est un démocrate qui retourne au pouvoir, assurément, il doit exprimer une plus grande sensibilité à ça ne parler l'aide internationale. Ok, mais sensibilité li par rapport à l'aide internationale qui est capable de faire une certaine augmentation de l'aide internationale au profit des États faillis tels que Haïti, mais ce n'est pas une très grande augmentation à pied parce que depuis quelques années, les États-Unis ont pris disposition pour diminuer leurs dépenses de fourniture de biens publics internationaux tels que investissement dans l'aide internationale. Tout pays ça est capable de capable d'attirer investissements directs étrangers, il faut bien stabilité politique, il faut bien le retour de la paix sociale, il ne faut pas parler de questions de criminalité, questions de prolifération des grandes armées. Le problème, c'est l'empire nous d'abord comme haïtien, il n'est pas l'empire ni Trump ni Joe Biden. Il y a effectivement que des deux gros potentats en Haïti qui ont une classe économique là, et qui ont une classe politique là, qui détendent et pour ces têtes, je finançais carrément la campagne de Trump. Parce que je t'arrivais que Trump était sous pouvoir. Pourquoi je t'arrivais que Trump était sous pouvoir? C'est tout simplement parce que Trump et l'administration de Trump prend un recul pour un posture de désengagement par rapport à la politique internationale. Donc il était revenu plus, il intéressait plus à ce qui se passe en Haïti. Vous comptez pour ça? Au coup de même? Mais écoutez, c'est pas parce que l'administration Trump et désintéressé davantage de la situation haïtienne, que la situation haïtienne n'affecte pas la sécurité nationale des États-Unis. Tu as toujours espéré que l'autorité haïtienne a une responsabilité pour résoudre le problème lui-même. Ok? Donc, c'est même penser que c'est Trump, que c'est Joe Biden, et haïtien qui est intéressé, qui font choix vers l'un ou vers l'autre, et bien le mal inspiré, le mal comprendre la politique étrangère des États-Unis. Au ministère de la Justice et de la Sécurité publique pour réaliser voting ou bien certification des magistrats assis et debout. Je vais lire de vous l'article 41 de la loi créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Article 41 de la loi du 13 novembre 2007 créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Les juges de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux de première instance, des tribunaux spéciaux, des tribunaux de paix occupent leurs fonctions jusqu'à ce que leur poste soit pourvu conformément à la Constitution et qu'ils aient été certifiés quant à leurs compétences et intégrité morale afin d'obtenir leur approbation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire au fil de nomination conformément à la Constitution. Si nous prenons l'article 69 et suivant de la loi portant statut de la magistrature, article 69, les juges de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux de première instance, des tribunaux spéciaux et des tribunaux de paix occupent leurs fonctions jusqu'à ce que leur poste soit pourvu conformément à la Constitution et qu'ils aient été certifiés quant à leurs compétences et intégrité morale et obtenu leur approbation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Et l'article 70 qui enchaîne nous dit que une procédure de certification des juges et des officiers du ministère public est organisée par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire conjointement avec le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Donc, en vertu de ces articles, Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et ministère de la Justice mettent sur pied dans commission que les commissions techniques de certification CTC. Les commissions techniques de certification ont pour devoir pour lui mener des enquêtes de proximité sur tous les magistrats assis et debout qui font partie du système judiciaire, du pouvoir judiciaire, et pour être capable de certifier ou non. C'est ce que j'ai publié troisième liste de certification en provenance de la commission technique de certification. Et ma troisième liste, ça a dit 25 magistrats certifiés. Là, nous n'avons pas de sens sur lui, parce que la presse plus veut parler de magistrats non certifiés. Il y a 25 magistrats certifiés et 19 non certifiés.
nous sortons dans toute juridiction et nous sortons dans tout niveau de juridiction. Des cours d'appel à la tribunaux de première instance à la Cour de cassation. Et pour magistrat certifié, j'aime ce dire là au nombre de 25, et pour le magistrat non certifié, au nombre de 19. Donc CSPJ prend décision pour les publier de l'ISAO en vertu des articles 69 et 70 de la loi portant statut de la magistrature et également de l'article 41 de la loi créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Voilà. Et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable de dernières informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer ti cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.